Bonjour à tout le monde, c'est Flustensus en direct de un tube sur YouTube avec un skin de Michael Jackson à cause d'un putain de bug. Pourtant c'est pas l'anniversaire de sa mort, je ne comprends pas. Je me suis permis de faire des récoltes. J'ai encore oublié le son bordel. Ah non. Voyons. Ah là c'est mieux. Donc, on a eu du pain, enfin, mais j'ai dû bouffer tout parce que je courais, donc vous savez ce qui se passe quand on court dans Minecraft, on perd de la bouffe, enfin oui, donc j'ai plus qu'un demi-steak. Non, avant c'était des steaks. On s'en bat les steaks. Donc ce qu'on va faire, on va terminer le pont déjà, essayer de trouver une grotte sur la terre fermée, je crains que ceci soit perdu d'avance. Attention le très précipice, je ne veux pas tomber dans le vide. Je vais même couper cet arbre là. Heureusement que je suis pas blanc. Bah heureusement que t'es pas noir non plus. J'avais beaucoup de bouffe en moins et il a suffi que je trouve. Un heureux événement. J'ai trouvé héroïquement propagande de du terrorisme Flustensus Ardazana. Non, je déconne. Nous allons officiellement terminer le pont de Khazad-dûm. Pont Khazad-dûm, vous comprenez? On va ramener du charbon des mines, on va faire des torches. On va poser une torche tous les 5 mètres. Enfin, 5 cubes en Minecraft. C'est comme si vous deviez calculer avec l'unité de longueur, le squeeze. J'ai au moins une graine. J'espère pas crever de faim ici. Je veux pas crever de faim. Ah oui, j'ai oublié de couper cet arbre. J'espère qu'on va trouver des pommes. J'ai besoin de pommes. Mr. Wrecking Voilà. 32 barrières. Allez, une pomme, pitié! Une pomme! Pomme? Oh, la pomme d'Adam et Ève. Bon, peut-être pas quand même. Mais laissez-moi profiter de ce moment de succès. Pour une fois, je n'ai pas l'air d'être con. Le jour où je me sentais con. Pourtant, il s'est suicidé après qu'il était con. Et ça dégage. Bon, pas de pommes. Il n'y a personne qui aime les pommes. Oui, c'est vrai, je dois reposer du stuff. Parce que là, je deviens un peu con en ce moment. Oh, vous sentez ma voix fébrile? Je devrais peut-être marcher. Non, marche. On y est presque. Toujours pas. Ah, je déteste cet endroit. Et on manque encore de cobble. Mais c'est pas possible. C'est le pays où on manque de la cobble. Non.
officiel, on va bientôt tenter une expédition. Ah, on a de quoi faire une pioche. Mais pas en pierre. Enfin, si, en pierre, justement. Non, c'était plutôt une hache que je voulais faire. Une pioche, j'en ai déjà une. Mais arrêtez de vous moquer de moi. Personne s'est moqué de moi. Génial, ils arrêtent de se moquer de moi. Je suis en mode gros con. On va bientôt pouvoir finir notre maison qui affirmativement n'a toujours pas de toit. Bientôt vers l'épisode final, je ferai et je vous montrerai la chose que vous avez tant attendue depuis un milliard d'années. Mon stuff, enfin mon skin. J'ai pas assez de graines. Ah, on a encore une pousse. Ah. Par contre, on a toujours pas de pommes. Faudra qu'on en... Faut le camp. L'invasion des pousses. Oui. Précisément du petit poussé. Ah, cet arbre-là n'était pas un arbre à pommes. Par contre, on n'a pas de quoi faire pousser nos plantes. On n'a pas de pousser nos plantations. En plus, on va me crever de faim si on fait rien. Pensez à acheter du lait. Pensez à acheter du lait. J'ai envie de dire, la situation est mauvaise pour nous. On ne tiendra jamais. Fuck you, you, you. C'est pour refaire une épée en pierre. Voilà. À l'attaque! C'est tout ce qu'on a. Ah, pour une fois, les trucs ne partent pas. Et un four à partir de 8 blocs. Un délicieux au fourneau. Bah, c'est ce qu'on a fait. On a fait un truc. On va se préparer à une deuxième expédition qui sera. Maintenant, par contre, je sens que je vais crever de faim. Non, ça sert à rien de regarder. De toute façon, on n'aura pas assez de bouffe si on y va. Putain, on a même pas de quoi faire des soupes. Ah bah, attendez. Non, c'est pas comme ça. On va se faire des soupes. Allez. On va voir si on va avoir des soupes là où on sera. Espérer qu'on ait des soupes. On va partir avec notre lit. Ça veut dire on va laisser notre camp abandonné pendant longtemps. On s'arrêtera quand on aura trouvé de la bouffe. Ah, ce pont. On est en train de quitter notre maison alors que. Et merde. Je peux déjà plus courir. Alors ça, c'est pas très sympa. Si je dors déjà dans un lit, ce sera bien. Je sens que. Ah, j'ai oublié que si je meurs. Ah mince. Oh putain, en plus. Vous savez que si je meurs. J'ai pas de bouffe de zombars chez moi. Tant pis, je devais regarder avant maintenant. Il est trop tard. J'ai pas de bouffe. Si on meurt de faim, c'est la fin. Quelle aura été mon erreur dans cette partie? Que si je meurs, je peux revivre. On va couper cet arbre pour voir si on n'a pas de la bouffe. J'espère qu'on va en avoir, parce que là, avec tous les gigots qui me restent, on va pas tenir très longtemps. Oh, oh génial. Mais que Dieu bénisse ce champignon. Oui, je sais, je ne suis pas chrétien. Mais
Heureusement qu'on est tombé sur un petit champignon qui va nous sauver la vie. Nous n'avons qu'une seau, on s'en fout, mais... Ah, ça fait du bien de pouvoir recourir. Comme un... D'étaler comme un lapin. Nyeh. Ah oui, c'est vrai, il va falloir que je dorme. Ça fait du bien de pouvoir dormir maintenant. J'espère que je vais pouvoir dormir. Est-ce que s'il y a des mobs qui apparaissent pendant que je dorme, pendant que je dors, ça va pas le faire. Peut-être jeter ses pouces, finalement, il ne sert à rien. Allez, des pommes. Des pommes. Des pommes. Oh merde. Je suis bercée par le chant des agneaux. Le chant des agneaux. Oh, oh. C'est mauvais signe si je dis le silence. Oui, on a perdu une épée, mais on s'en fout. On a encore plein de stuff. On va peut-être économiser ce qui nous reste. En ça, on peut vraiment dire merci. C'est pas moi qui ai eu l'idée de trouver des champignons. Mais quand même, ça, on peut se dire, on a été sauvés. Oh, donc. Encore des vaches! Et encore des champis! Je sens qu'on va tomber sur une grotte. Souvenez-vous du zombar qu'on avait entendu dans le premier épisode. On va peut-être le trouver et le buter. Personnellement, j'ai envie de faire sa fête. Allez, des champignons! Ah, voilà. Je sais, on a déjà le même type de champignons, mais quand même! Une vache de morte. Je l'ai vue par là. Tanner en devenir. Lol. Je suis pas stressé. Pas de quoi, mais j'ai peur qu'un truc nous attaque. Oh, creeper! Ah! Ah, chasseur de monstres! Premier monstre tué! Un creeper! Ça, on peut dire ça comme vraiment, on sent. C'est notre premier ennemi tué, un creeper. Je crois que c'était le premier ennemi qu'on a buté. C'est peut-être pas le premier qu'on ait entendu non plus. Parce que celui-là, lorsque je l'ai vu, il savait, j'ai l'impression. Je me dis finalement, il savait qu'il allait mourir de toute façon. Vous avez pas regardé, vous l'avez pas vu dans son regard, il disait « Oh non, je vais mourir, arrête. » Cette fois, cette expédition aura servi à quelque chose, à trouver de la bouffe. C'était à ça que l'objectif de la première. On va retourner à notre base, en espérant que le blé ait poussé. Bon là, je crois que le titre de la vidéo après la vidéo, le jour où l'expédition servit à rien, le jour où l'expédition servit à quelque chose. Bon, normalement, l'objectif c'est d'aller dans une grotte. Ne vous en avez pas ras-le-bol de me contredire par rapport aux objectifs. Alors, je vais vous dire notre objectif. Nous allons tuer le Wither ou l'Under Dragon. Il y en a qui savent déjà que c'est l'Under Dragon. Et on n'est pas vers le spawn où on était. Mais si, ça me rappelle des choses. Ce spawn. Notre petit spawn bien aimé.
tout premier spawn où nous sommes apparus. Tiens, il y a un truc là. Oh oh, je sens que je me suis un peu perdue. Pas que je me sois plantée. Normalement... Ouais, je crois qu'on s'est par là. Alors, si on va pas... Oui, oui, c'est même là où on est... D'où on vient. Encore un bug. Dis donc, les bugs, c'est pas rare. Enfin, nous allons retourner chez nous et redormir dans notre lit que nous avons toujours. En fait, c'est pas un lit qu'on a. C'est un sac de couchage. Bah tiens, on voit même le pont de loin. Que des bonus. Bon, on devait chercher des minerais. Bah, il y a un... J'oublie qu'on a un super truc en bas qui s'appelle une faille. Génial. C'est qu'on va rentrer chez nous et... Alors là, 16 steaks plus 5 cuirs. Et là, vous êtes témoin. Je vais montrer à Olivier d'Outre-Ligne que j'ai récolté dans ces derniers épisodes la canne à sucre. Et qui va moins rigoler quand je lui dis que 9 cannes à sucre. Qu'est-ce qu'il te faut encore comme preuve? Hein? On n'avait pas du cuir. Mais où est passé le cuir? Je ne sais pas où est passé le cuir, mais je veux pas savoir. Alors, nous allons bientôt exposer notre trophée de chasse. Non, c'est même pas un trophée de chasse, alors... Qui va dire c'est un beau trophée de chasse que tu as là? Personne. Ce serait pour qu'on continue la construction. Voilà, notre échelle est dressée, on a une belle vue. Oh! Je sais pas où est passé le reste de mon cuir. Je regarde bien. Au moins maintenant on sait les points d'attaque qu'on fait. On a dû faire au moins 15 points de dégâts à ce mob pour le tuer. Faire plein de trucs en même temps alors que je dois faire plein de trucs, je dois finir plein de trucs, mais on s'en fiche. En ce moment je fais un rythme un peu en fait un alors que l'épisode Ken n'est toujours pas publié, vous vous dites qu'est-ce que je fais. Par contre on y est presque. Ouh, j'ai failli me casser la gueule là pour le coup. Oui, c'est bon, on va poser des torches. Je sais pas pourquoi je fais trois trucs. Non, c'est ça déjà. Là, on est bien d'accord, tout est bien éclairé déjà. Je crois que normalement, six barrières, même 7.
barrière, ça suffira. Il me faudra plus de planches. Finalement, le problème de bouffe est réglé. Parce qu'on a ça. Oh, on a gagné bien un niveau à ce que je vois. Tu mets de la moitié de la réserve, la moitié de la réserve là. Je me demande pourquoi charbon agit moins, on dirait. Non. Une torche, ça suffit, monsieur. Et il va falloir chercher un peu plus de bois. Qu'est-ce qui va pas? C'est quoi le problème? Lequel de vous deux veut pas pousser? Lequel de vous deux refuse de pousser? Attention, je n'hésiterai pas à lui arracher les feuilles. Ça servira un peu à rien. Oui. Bon, va falloir vraiment qu'on se prépare. Et va falloir bientôt que je vous dise au revoir avec Michael Jackson. Ouh! Je suis en train de me tordre comme un demeuré. Regardez. Wupakaman style. Regardez. Torche numéro 1. Wupakaman style. Kaman style. Wop. Imitation de merde. 2. The final countdown. The final countdown. Et la troisième. Et on se quitte sur un The Final Code.